Bon les amis, pour vous tenir un petit peu au courant, je suis en train de monter l'expédition avec un caméraman et d'autres intervenants pour aller faire l'enquête à Montjoie. Ce sera sur ma chaîne, ce ne sera pas, comme vous l'avez compris, sur VA+ ou sur Livre Noir. Ce sera sur ma chaîne, donc j'ai pris un caméraman du coin, un mec du Tarn-et-Garonne. Voilà, on va faire bosser un peu les mecs qui sont pas forcément de Paris, ça fera pas de mal. Puisqu'après tout, le territoire est vaste et il ne se résume pas à cette ville. Donc je vais prendre un caméraman du Tarn-et-Garonne, de là où ça se passe. Et je vais aller donc faire le reportage, sans doute début octobre. Ça devrait arriver très rapidement sur ma chaîne, je vais tout faire pour que ce soit rapide. Je voulais faire bosser Georges sur ce reportage, mais figurez-vous que Eric Tegner ne veut pas que Georges travaille avec moi. Alors après ce qui s'est passé, je peux comprendre que Livre Noir ait plus envie de travailler avec moi, c'est entièrement normal et c'est légitime. Mais par contre, empêcher des mecs qui leur sont plus ou moins liés de m'aider à médiatiser cette affaire, là c'est autre chose. Là, il ne s'agit pas de notre guéguerre, Livre Noir, Papacito, on s'en bat les couilles de ça. Ce qu'il s'agit, c'est de médiatiser cette histoire. Voilà, parce qu'en fait, au milieu de tout ça, pendant que tout le monde se dispute les vues, les likes et je sais pas quoi, il y a un qui travaille la terre qui est en PLS en fait. Donc j'aimerais bien qu'on mette les guéguerres fachosphériques de merde de côté et qu'on aille se concentrer sur des trucs tangibles, c'est-à-dire cette histoire. Donc voilà, donc j'aimerais. En fait, j'ai besoin des compétences de Georges pour travailler sur cette affaire. Et comme Georges est lié à Livre Noir, ben en fait, Eric Tegner veut pas que Georges vienne m'aider à faire ce documentaire. Voilà où on en est. Voilà où on en est en 2020. Parce qu'en fait, ne pas être pote avec moi, il n'y a aucun problème. Moi, je suis quelqu'un d'excessif, tout ça. J'ai plein de défauts. Donc, c'est normal en fait qu'il y ait des gens qui ne me supportent pas. Ça fait partie du truc, c'est normal. Voilà, moi, il y a des gens que je ne supporte pas non plus. Un milieu où il y a des caractères et des personnalités qui sont fatalement hautes en couleur, donc évidemment qu'il y a des tensions, il y a des inimitiés, ça c'est une chose, ok, on n'est pas obligé de s'aimer, mais en fait m'empêcher de travailler, ça c'est infernal. En fait, m'empêcher de travailler, c'est infernal. Là je demande pas à Livre Noir de venir faire le reportage, enfin je le demande plus, je demande juste à ce qu'un gars m'aide dans ce reportage. Et en fait, une espèce de petit veto de comploteur façon intrigue versaillaise qui me donne envie de me taper la tronche contre un lampadaire en fait. C'est-à-dire que là, j'ai besoin d'aide en fait pour aller aider un paysan. Voilà, aider un paysan. Je sais que c'est pas sensationnel. Voilà. Mais c'est quand même pour ça qu'on existe. Hein, c'est pour filer des coups de main de temps en temps. Aux Français en fait. Et en fait là, il y a des ambiances avec des mecs qui ont des mouches là. Ils ont des mouches ici, ils ont des perruques, ils ont des ballerines. Les mecs qui squattent à Versailles en fait. Ils ont un CDD à la cour du Roi Soleil, tu vois. Et toi tu déboules, tu dis vite, voilà, les Anglais ils attaquent tel paysan là, est-ce qu'on y va? Et les mecs te disent... Enfin, monsieur, regardez l'état de vos chaussures. On n'a quand même pas marché sur le parquet du roi avec de tels godillots. C'est indigne. Voilà. Alors, après, il regarde le roi comme pour voir si le roi a entendu, pour voir s'ils ont bien léché le cul. C'est insupportable. Mais qu'est-ce que ce vagabond languedocien vient perturber la cour? Nous n'avons que faire de vos histoires de paysannerie. Dites à cet homme qu'il se débrouille sans nous. Écoutez, si ce paysan ne veut pas utiliser ou ne peut pas utiliser le chemin, alors qu'il se fasse installer un téléphérique, enfin. Nous avons d'autres choses à faire que de traiter vos petites histoires de provinciaux mineurs. Mais enfin, regardez-vous, vous débarquez, vous sentez le maïs, vous dites con à la fin des phrases, et vous avez un accent, monsieur, qui me semble être bien plus loin que les limites de la Loire. Nous ne vous écouterons donc pas et nous vous apporterons aucune aide. Voilà. Sachez que nous sommes appelés en Ukraine et qu'il est bien plus important d'aller faire des gorges profondes à M. Vladimir Poutine que de traiter vos petites histoires belliqueuses de cutéreux, monsieur.